Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo nous allons nous, allons nous intéresser à la signification du rêve de guêpe, mais avant de commencer je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du, dans le vif du sujet, qu'est-ce que cela signifie de rêver de guêpe. Alors d'un point, point de vue positif, les rêves de guêpe sont le symbole d'indépendance, de travail acharné et de protection. D'un point de vue négatif, ces rêves représentent l'agression, l'hostilité et les victimes de discrimination d'inauthenticité et de vengeance. On va voir les interprétations assez générales euh, du rêve de guêpe. Donc, une première interprétation assez générale, c'est l'indépendance. Donc, les rêves de guêpe sont généralement représentatifs d'une autonomie farouche. Vous défendez vos opinions et vos croyances avec conviction, avec une conviction inébranlable. Ce qui peut, euh, ce que peuvent les gens, euh, ce que les gens peuvent supporter. Ce n'est pas comme si cela vous dérangeait beaucoup de toute façon. Par ailleurs, vos paroles peuvent parfois laisser des traces et essayer de faire plus attention à, donc, essayer de faire plus attention à la façon dont vous communiquez. Une deuxième interprétation assez générale du rêve de guêpe, c'est de la protection. Donc, sans surprise, les rêves de guêpe symbolisent la protection car ce sont des créatures coriaces. Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir à deux fois avant d'entrer dans une dispute ou un combat. Cela dit, dans dans, outre l'autoprotection, ce symbole s'éteint à d'autres aux autres personnes, vos proches se sentent en sécurité à vos côtés et savent que vous, vous, vous allez les protéger à tout moment. Une troisième interprétation du rêve de guêpe, c'est l'hostilité. Donc les guêpes ne représentent pas seulement le déclencheur de comportements hostiles ou agressifs, mais aussi la belligérance entre soi. Euh, ce ce n'est pas surprenant car certaines guêpes sont violentes par nature. Si vous essayez d'écraser une guêpe, elle essaiera de, tout, presque toujours de vous attaquer. Vous devez connaître le fait que les abeilles mesurent, meurent après avoir été piquées. Au contraire, les guêpes ne meurent pas et sont assez persistantes dans leur piqûre. Cette agression peut provenir d'autres personnes ou même de vous-même. Un quatrième interprétation c'est euh, du rêve de guêpe, c'est le bavardage. Donc euh, les guêpes sont par nature coriaces, tout comme les abeilles. Dans, le, dans la symbolique des rêves, elles représentent une sorte de réseau de vignes. Ne soyez pas trop surpris si vous entendez une nouvelle information probablement effroyable. Les guêpes symbolisent la communication de manière négative. Elles représentent les malentendus, les ragots, etc. Il est donc important que vous soyez conscient de la manière dont vous communiquez et avec qui, afin de ne pas vous laisser entraîner inutilement dans des situations désagréables. Une cinquième interprétation assez générale l de, du rêve de gap, c'est euh, d'être entouré d'inauthenticité. Donc, les rêves de guêpes indiquent la présence de quelqu'un d'inauthentique dans votre vie. Cette représentation pourrait être liée à la précédente. La personne en question cherche à tenir votre image euh, en, en, en répondant des ragots. Apprenez à vous affirmer et à vous confronter lorsque cela est nécessaire. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre bonheur et votre tranquillité d'esprit pour quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Faites attention aux personnes en qui vous avez confiance et avec qui vous interrigissez, interrigissez, interagissez régulièrement. Pardon. Une sixième interprétation, c'est euh, le travail, un, un, un travail difficile. Donc, les rêves de guêpes, bien que généralement mauvais, sont parfois bons. Les guêpes sont des créatures laborieuses, il est donc compréhensible qu'elles symbolisent un grand effort ou une grande endurance. Ce rêve peut vous inciter à travailler plus dur dans la vie, d'un autre côté, il vous dit que vous, êtes en, vous en faites déjà assez et que vous récolterez bientôt les fruits de vos efforts. Une, une septième interprétation, c'est le temps d'exécution. Donc, rêver de guêpes est représentatif de l'importance d'agir. Quels que soient vos plans euh, que vous avez élaborés, vous devez les mettre en œuvre maintenant. Si vous avez tergiversé et laissé les choses aller, il est temps d'arrêter. Mettez vos lunettes de productivité et laissez et faites ce que vous devez à faire pour atteindre vos objectifs. Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous avez des attentes pour vous-même qui ne peuvent être satisfaites qu'avec des efforts assidus et une bonne éthique de travail. Une huitième interprétation, c'est être la victime de vengeance. Donc souvent, souvent de mauvais augure, un rêve de guêpe indique la possibilité d'être le destinataire de la rage ou de représailles de quelqu'un. Il prédit la nécessité de rester vigilant, pensez à un moment où vous avez fait un tort à quelqu'un qui, qui pourrait vouloir se venger. C'est également le moment propice à l'autoréflexion, réévaluez vos attitudes et vos comportements, et faites le nécessaire pour rectifier ceux qui sont négatifs. Outre, outre le fait de causer de la détresse, réfléchissez à deux fois avant de faire un, du tort à quelqu'un, car cela pourrait vous attirer des ennuis. Faites amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Un neuvième interprétation, c'est être le proie euh, de discrimination. Donc euh, un rêve de guêpe montre que vous êtes peut-être été la victime de discrimination sociale et que vous vous êtes senti exclu. Un tel événement peut faire remonter des émotions horribles, il peut avoir un impact considérable sur votre estime de soi et votre confiance. En outre, ce rêve indique la possibilité d'une trahison pour une personne que vous aimez et en qui vous avez confiance. Là encore, cet événement vous trouvera, troublera beaucoup. Rappelez-vous que les choses qui définissent réellement votre valeur personnelle, mieux encore, faites appel à un professionnel pour vous aider dans ce processus. Donc voilà, ça c'était neuf scénarios, neuf interprétations assez générales du rêve de guêpe. Euh, maintenant, on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, je l'espère, euh, résonneront plus avec votre intrigue de rêve à vous. Donc un premier scénario, c'est rêver euh, tout simplement de guêpe et d'abeille. Donc les rêves d'abeille et de guêpe peuvent parfois être identiques. Les deux contenus de ce rêve ont des interprétations négatives et positives en fonction des divers facteurs. Les abeilles et les guêpes sont des créatures différentes, bien qu'elles partagent de nombreuses similitudes. Par conséquent, les rêves de les ruches d'abeilles et les guêpes se ressemblent structurellement à plusieurs égards. Les deux insectes sont plutôt sociaux, mais les guêpes ont beaucoup moins de choses dans leur nid que les abeilles. Cette différence joue un rôle dans l'interprétation des rêves. Les rêves de guêpes sont davantage centrés sur les personnes proches de vous et votre environnement immédiat par rapport aux, aux rêves d'abeilles. Un autre point important est que ces insectes s'opposent rarement les uns aux autres, en fait ils arrivent qu'ils travaillent ensemble si la situation rend cette coopération nécessaire. Ce détail est important pour mieux comprendre les rêves. En revanche, si les guêpes et les abeilles se battent dans votre rêve, cela vous montre qu'il y a de la jalousie autour de vous, notamment sur le plan professionnel. Vos concurrents tenteront d'utiliser des moyens déloyaux pour obtenir ce qu'ils veulent, un tel acte fera obstacle à l'accomplissement de vos objectifs. Un deuxième sc scénario, c'est de rêver de voir une guêpe euh, tout simplement. Donc rêver de voir une guêpe symbolise la colère, le mécontentement, l'envie, le ressentiment et la vengeance. Cela pourrait signifier euh, que vous êtes furieux à propos de quelque chose. D'autre part, cela signifie que quelqu'un d'autre est mécontent de vous. Ou encore, ce rêve symbolise la possibilité qu'un événement agréable se produise. Un troisième scénario s'est rêver d'une guêpe dans le nez, donc rêver d'avoir une guêpe dans le nez. Rêver d'une guêpe dans le nez signifie l'affection, la joie et la solidarité. Un quatrième scénario s'est rêver d'une guêpe dans l'oreille. Donc ce rêve est effrayant à coup sûr. Euh, il indique que des conflits sont sur le point d'éclater. Les gens peuvent dire quelque chose délibérément pour vous ennuyer et essayer de ne pas tomber dans le panneau. De plus, gardez votre envie sous contrôle, surtout lorsque vous n'avez pas euh, pas une vue d'ensemble. Ce rêve montre également que vous êtes capable d'influencer les gens. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour élever et motiver les autres, ou bien répandre des rumeurs et décourager les gens. Le choix vous appartient. Un cinquième scénario, c'est rêver de guêpes dans, dans les cheveux. Donc, un rêve de guêpes dans vos cheveux, ça le, symbolise les obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Bien que les guêpes soient dans vos cheveux. L'interprétation du rêve est liée à votre tête, qui est l'endroit où vous évoquez les pensées, les croyances, les valeurs et les objectifs et, les, et autres. Examinez tous les objectifs que vous vous êtes fixés jusqu'à présent. Essayez de penser aux éventuels obstacles qui pourraient vous empêcher de les atteindre. Et parfois, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, c'est vous-même et vos angoisses et vos doutes sur vous-même. Si c'est le cas, envisagez, euh, envisagez d'y travailler. Les cheveux en eux-mêmes sont souvent considérés comme un symbole de vigueur et une source d'idées. Il est donc compréhensif que les rêves de guêpes dans vos cheveux représentent un blocage de ces derniers. Un sixième scénario c'est rêver d'une guêpe qui vous, quitte, qui vous quitte les yeux. Donc euh, quel est rêve effrayant? C'est selon le symbolique des rêves, vous ne voyez pas la réalité. Intentionnellement ou non, vous évitez la vérité et ne regardez pas les choses telles qu'elles sont. Un septième scénario c'est rêver d'une guêpe qui sort de votre bouche. Donc ce rêve euh, étrangement effrayant représente la culpabilité. Vous avez fait du mal à quelqu'un, euh, ou avez-vous participé à la propagation d'une rumeur sur quelqu'un Si oui, réfléchissez à vos actions et trouvez des moyens de vous racheter. Un huitième scénario, c'est rêver d'une guêpe qui sort de, du corps d'un membre de votre famille. Donc si vous avez rêvé d'une guêpe qui sortait du corps d'un membre de votre famille, cela montre que vos actions ont des conséquences. Ils peuvent avoir un impact négatif sur les personnes que vous aimez. Lorsque les secrets sont en jeu, agissez avec prudence. Un neuvième scénario, c'est rêver d'un nid de guêpe. Donc ce rêve représente généralement une perte potentielle. Il vous incite à protéger les personnes et les choses qui comptent le plus sur vous. Rêver d'un nid de guêpe est également le symbole, un symbole de l'établissement des fondations de votre vie. Vous devez construire sur ces bases et aller de l'avant. Cela peut également révéler des mauvais traitements dans votre, dont vous êtes victime. Vous pensez que quelqu'un est impoli et que vous, avec vous ou agit de manière agressive autour de vous. D'autre part, vous êtes frustré et insatisfait parce que quelqu'un vous déçoit. Enfin, ce rêve illustre le mécontentement qui, qui suscite votre atmosphère de travail actuelle. Elle ne vous permet pas de vous épanouir et très probablement, très probablement vous empêche de gravir les échelons professionnels. Évaluez votre condition professionnelle et voyez ce que vous pouvez changer afin de progresser. Donc voilà. Ça, c'était neuf scénarios assez communs du rêve de GEP. Si je n'ai pas évoqué le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios, je vous invite à découvrir l'article complet qui est en description de cette vidéo. Vous y retrouverez euh, tout un tas d'autres scénarios qui, je l'espère, résonneront plus avec votre intrigue de rêve à vous. Toujours est-il que si vous n'arrivez pas à trouver une signification claire de votre rêve, je vous invite à me raconter celui-ci dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc sur ce, nous, on va passer directement à la conclusion. Donc pour conclure, il est impératif de se rappeler que les guêpes ne sont pas toujours nuisibles et que toutes les guêpes ne sont pas féroces et dangereuses. Plus important encore, dans l'interprétation des rêves, les guêpes dégagent aussi de la positivité. Même si le rêve est un rêve de privation, prenez une minute, évaluez votre situation de vie actuelle. Le rêve peut simplement vous demander de changer quelque chose afin de vivre une vie plus épanouie. La façon dont vous pensez au symbole du rêve fait également une différence incroyable. Prêtez attention à la façon dont vos rêves résonnent dans votre vie éveillée, euh, avant de tirer des conclusions hâtives et, ou de qualifier le rêve de bon ou de mauvais. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez une guêpe dans votre vie éveillée ou imaginaire, ne soyez pas si terrifié. Voilà. C'était tout pour la signification du rêve de GEP. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un, un like, un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire positif d'encouragement, de remerciement ou même de conseils pour m'aider à m'améliorer, ça me ferait énormément plaisir aussi. Toujours utile que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves.